Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, on se retrouve dans le jeu de Bandai Namco, à savoir Dragon Ball Z, j'oublie le Z, Dokkan Battle, que je préfère à Dragon Ball Legends, parce que j'aime bien le côté tactile, j'aime bien le côté posé, et j'adore surtout les animations de feu, Et justement, on se retrouve dans cette petite vidéo sympathique, pour faire de la multi-invocation, puisque regardez, il est là, juste là, sur le côté là, du Gohan en Super Saiyan 2 tiré du film avec Bojack. Ce Gohan là est magnifique. Ce Gohan là est sublime, c'est le Gohan qu'on veut absolument en figurine, tenue orange, énervé, qui défonce sa mère. Marty comme toi, non, on veut de la figurine comme ça, bordel de merde. Bref, vous le voyez sur le côté ici, 304 pierres de dragon. Et on va faire tout simplement de la multi-invocation. Le « et » c'est surtout pour vous dire de regarder cette vidéo à la verticale. Je ne cesse de le répéter, mais chaque fois j'ai toujours les commentaires. Il est où l'habillage? On s'en branle de l'habillage, ma gueule. Tu regardes cette vidéo sur un smartphone. Le tout s'adapte parfaitement à ton écran, nickel. Voilà, c'est comme si tu plongeais avec moi dans le jeu. C'est le principe de cette vidéo-là. Voilà, même sur ta tablette, ça le fait. Il est là. Et pour le choper, apparemment, c'est assez compliqué. Bon, 300 pierres de dragon. On va voir si on peut... Voilà. C'est con qu'il n'y a pas de campagne pour avoir du lourd. On va tout de même jeter un œil. Ce que j'entends par campagne pour avoir du lourd, c'est-à-dire au bout de certains paliers de multi-invocation, t'offres de la multi-invocation. Regardez, il est là, en LR. Putain, regardez, attends, les animations, mais... Pff, chez Bandai, il se gave. Hein. On sent les pépettes. Hein. Oh là là. Incroyablement beau. Qu'est-ce que tu veux? Ça c'est beau, ça, ce moment est magnifique. Il ne ressent plus rien, il a la haine, Gohan. Il veut juste péter les gueules. Bref, ça tue, c'est superbe, c'est de la bombe. J'arrête de parler, promis, on passe la seconde multi-invocation. C'est parti, les poteaux. Allez ma gueule, vends-moi du rêve. Bon, en ce moment, je vais être un peu calme au niveau de la chaîne. Bon, vous aurez quelques petits reportages simples. Voilà, mais niveau déballage, j'y vais un petit peu mollo, hein. Beaucoup de fatigue. Ouh. Ça va Marty? Oui, beaucoup de fatigue. On se fera des lives. Voilà, j'ai envie de faire des lives posés avec vous tranquillement. Mais voilà, mais tout de même, je vous donne rendez-vous samedi prochain, puisque il y a... donc de la Super Master Stars Piece de My Hero Academia, je vais aller à Kabara, je vais faire quelques petits reportages, ça va me vider un peu le crâne, ça va me faire du bien de sortir. Je pense que le fait de rester tout le temps devant mes écrans, tout le temps devant l'ordinateur, tout le temps devant mon téléphone, tout le temps, sans jamais sortir, parce que je m'auto-confine, hein, vous le savez, eh bien c'est compliqué. Mon corps commence à subir, ma tête commence à être fatiguée, et samedi je pense que ça va me faire un bien fou de traîner un peu dans les allées d'Akihabara, et surtout de filmer un peu les boutiques, ce que j'entends par boutique, ta machination, en espérant qu'il y a du neuf, encore de l'SSR, c'est cool. En espérant voir du Janemba, mais j'y crois pas, puisque ta machination n'a pas encore communiqué sur la chose. Mais le jour où il y aura du Janemba, putain c'est de la merde, Janemba, chez ta machination, j'irai pour vous faire bien évidemment le petit reportage. Donc ici, 3 SSR, rien de fou, on continue les amis, multi-invocation. Mais bon, principalement samedi, c'est la Super Master Stars Piece, Itiman Kudi de My Hero Academia. Midoriya qui me fait de l'œil. Si je peux avoir au moins la 2D, ce serait sympathique. Au pire, la The Brush. Et puis, je rentre vous la déballe. Ouh, Super Saiyan 3, y'avait qui en perso, là? Hein? Y'avait qui? Mais dis-moi, la réponds, là, putain. Dommage qu'on puisse pas faire de live... Dokkan Battle, comme ça. SSR Gohan, mais c'est pas ce Gohan-là que je veux. Du petit Goku en Super Saiyan 2, Dragon Ball GT, Super Saiyan 2 même. Allez. Tau Pai Pai qui pointe du doigt. De la SR. Du Vegeta Vénère qu'on a déjà vu, qu'on connaît. SR. Du Trunks en train de sauter. Figurine disponible de Varrock. Superbe. Celle-là, elle est incroyable. Je vous la conseille. Hein, cette pose-là, ce design-là. Le Vegeta qu'on a eu 2 fois du coup, ce Goku là me sort par les yeux, j'en ai marre de la voir. Tu vas finir chez Baba pour ne pas changer. Doctor Gero en mode vénère, On s'en bat les steaks. Du petit Gohan en train de se déchiner. On s'en fout également. Ça pète avec de la jolie demoiselle dont je me contrefous totalement. Bref, du sympathique tout de même, je trouve. Mais tout ça, j'ai déjà. Donc je m'en branle un petit peu. Même la demoiselle, je l'ai déjà. On continue. On continue. Quitte à tous sacrifier. Troisième multi-invocation, les amis. Super Saiyajin. En 2. Yes. En 3. Yes. On fait péter la météore. Putain, ce design dégueulasse, quoi. Devrait changer certaines cartes, de refaire au moins les persos, parce que c'est pas beau, quoi. Regardez comme c'est pixelisé. On sent que le jeu commence à avoir de l'âge, quoi. Le Trunks, c'est magnifique. Sortez-nous une figurine comme ça. Oui, on a eu une résolution of Soldiers, mais comme ça, avec son regard vénère et tout, avec la tenue et tout. Pff. Regardez, il me le sort deux fois tellement je suis à fond sur le perso, quoi. Incroyable. Magnifique. Du petit Babidi Babidi du bout. Hop là. Du Tenjihan avec de la bonne vénasse. Du Jaco en train de danser. Pas de quoi s'exciter. Oui. Oh là, oh là, oh là, oh là, t'énerve pas, petit téléphone. Du Vegeta SSR. Dégueulasse. Dégueulasse, quoi. Bref, let's go. On continue. Je passe à combien là? Je passe à combien? 100 pierres de dragon. Donc je peux faire encore 2 multi-invocations plus celle-ci 3. Ça pue du cul les gens. Ah là t'es un arc-en-ciel. Putain j'ai pas encore vu les persos là, ça me saoule. Super Saiyajin 2. Pas 2. 3. Allez Bojack. 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 Je sais pas pourquoi. Mais je sens venir la figurine de Bojack chez ta machination. On les laisse tranquilles, mais je sens qu'elle va débarquer. Ce serait mais, incroyable. C'est moi où le téléphone il rame là. Il rame bien le téléphone. Il a eu du mal avec Piccolo. Du Goten de Dragon Ball GT dont on se fout totalement. Ah, il en peut plus le téléphone. Du Goku en Super Saiyajin 3 SSR. Du Gohan, mais pas celui que je veux. Il m'avait bien aidé celui-là à l'époque. Mais vraiment, quoi. Allez. Encore du Babidi. Du Whis. SR. Putain, je pensais que c'était nécessaire. Du Goten. Du coup, parfait combo avec le Gohan. Mais on s'en branle, on continue. Même si mon téléphone crache, je m'en branle, je continue. Oh, c'est la première fois que je vois un décor comme ça. Putain. Ça se casse le cul chez Bandai. C'est là, je vous jure, c'est la première fois que je vois ça. Putain, c'est cool. Putain, je suis content. Je découvre des trucs encore avec Dokkan Battle. C'est sympa. Il est beau le Piccolo, je le trouve très classe quoi, un peu un design à l'ancienne, très plaisant à l'œil je trouve. Le petit Goten qu'on connaît, du Cell, première forme, du Freezer, première forme. Gohan, yes, Gohan, dégueulasse, vraiment dégueulasse. Boum. Putain, mais ça... Gale, je crois qu'il n'y a pas plus fan service que ça quoi. On va essayer de faire revenir Broly mais sous une certaine forme. Bref. Alors Frost, il y a plein de trucs dans DBS, j'ai du mal, hein, j'ai beaucoup de mal. Piccolo. Il est là. Ah, il est beau. Ah, putain. Ah, je suis content, mais regardez-moi ça. Quelle classe, putain de merde. Dans Dragon Ball Legends, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai passé les 20 000 cristaux pour avoir le migaté. J'ai un peu les boules. Donc le fait de voir tomber le Gohan, en plus dans le jeu Dokkan Battle que je privilégie par rapport à Legends, bah ça fait plaisir. Ah là, ma chasse aux Pokémon est terminée. Voilà, fin de la vidéo. Putain, mais tombé en dernier en plus. Oh putain de... Putain de... Et voilà, c'est verrouillé ma gueule. Eh ben c'est fini. C'est ouf ça. On termine cette vidéo avec le monstre. Sortez-nous la figurine s'il vous plaît. Sortez-nous la figurine. Et comme je sens que Bojack va arriver, un de ces quatre, s'il nous sort chez ta machination un Gohan en Super Saiyajin 2, Figuarts, 0, tout ce que tu veux, je m'en fous. J'y crois. Je sais pas pourquoi j'y crois, ça fait quelques temps, on nous sort des films chez Ta Machination, couleur, je vous le rappelle, Goku, Broly, Gogeta, Janemba. Allez, continuez les gars, continuez. Et en plus, il y a la folie Super Dragon Ball Heroes, j'ai vu qu'il y a eu du Bojack en plus il n'y a pas très longtemps. C'est bon, allez, on continue. Bref, je suis content d'avoir eu le Gohan, je suis content d'avoir partagé ce moment avec vous. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part, restez à l'écoute. Et comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.